Eh bien, tout d'abord, je vais vous remercier parce que grâce à vous, grâce à Maître Junot qui m'a demandé d'évoquer les liens entre Robert Brasillach et François Mugnot, c'est un thème sur lequel je me suis penchée à nouveau dernièrement. Dieu sait que c'est un thème que j'ai évoqué, et avec François Mugnot lui-même, et en préparant mon livre sur François. Mais en ce mois de novembre, qui est le mois traditionnellement dédié aux morts que l'on aime, j'ai été particulièrement touchée de reprendre ce sujet pour vous ce soir. Donc merci. Voilà, donc cette rencontre entre Robert Brasillach et François Mugnot n'était pas forcément probable. L'un que vous connaissez bien est d'origine catalane, je ne crois pas me tromper, formation universitaire, maurassien, de famille traditionnellement catholique, alors que l'autre est breton et d'une famille de gauche. Bon, alors, famille de gauche avec des nuances, puisque comme dans toute famille, il est né à Concarneau, donc en 1919, il a une partie de sa famille qui était d'origine paysanne et l'autre d'origine qui était une famille de marins. Les paysans étaient plus blancs et les marins rouges, donc blancs catholiques et rouges républicains. Mais, donc là c'est un détail mais qui a son importance dans la vie de François Mugnot. Son père a été... Les femmes étaient pieuses de manière générale et les hommes n'entraient jamais dans une église. Mais le père de François Mugnot, qui s'appelait Emmanuel Allotte, a servi la messe jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est allé dans une école catholique chez les frères de Poirier. Et sa sœur aînée a eu son brevet d'institutrice. À ce moment-là, un inspecteur de l'école publique est venu trouver leur mère en lui mettant le marché en main. On était en pleine guerre scolaire. Et en lui disant, nous avons des stagiaires, institutrices, nous donnons du travail aux meilleurs. Si vous mettez votre fils à l'école publique, votre fille aînée aura plus facilement des stages que si votre fils reste à l'école. Donc Emmanuel Allotte, qui sera plus tard le père de François Mugnot, est donc allé à l'école publique. Il a ensuite fait l'école normale d'instituteur. Il a perdu la foi et il a été nettement à gauche. Quand je dis à gauche, bon, il a adhéré au Parti communiste quelques mois et il l'a quitté avec une énorme méfiance pour les partis politiques. Donc ne disons pas qu'il a été communiste, ça ne serait pas le définir proprement. Mais on peut dire qu'il a été syndicaliste toute sa vie. Syndicaliste, anarcho-syndicaliste. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, le spécialiste syndicaliste révolutionnaire, tendance Pierre Monnat, voilà. Pour ceux qui connaissent. Pierre Monnat étant un grand ami, d'ailleurs, de la famille Allotte. Ils étaient très proches. Donc, celui qui est devenu François Mugnot a été élevé dans des idées de gauche. Avec une petite nuance, parce que sa grand-mère maternelle vivait chez eux et elle aimait beaucoup Marie-Antoinette. Donc elle avait une horreur de la Révolution qui a quand même marqué, je pense, le jeune garçon. Adolescent, François Mugnot s'échappe de Concarneau le plus souvent possible, fait des séjours à Paris, va au théâtre, voit parfois 4 films dans l'après-midi et découvre une gauche d'ailleurs très différente de celle qu'il connaît, une gauche parisienne, marxiste, très antipatriote,
qu'il surprend beaucoup. Quand il rentre à Concarneau, il fait une boulimie de lecture et c'est le moment où il découvre des auteurs de droite en même temps que ceux qu'il connaît de gauche. Il lit Jules Romain, Aragon, Simenon, Simonin, il lit tout, Béraud bien sûr qu'il a lu depuis qu'il était tout jeune, et Brasillach aussi. Il aime beaucoup Notre avant-guerre, il aime beaucoup le théâtre de Brasillach, il aime les romans de Brasillach. Donc, voilà. Arrive la guerre, François Brignaud passe pas mal de temps sous les drapeaux, puisqu'il s'enchaîne son service militaire, la guerre, et ensuite il reste mobilisé comme soldat de l'État français. Donc il passe vraiment pas mal de temps sous les drapeaux. La défaite le marque beaucoup. Il entend le maréchal et il découvre une voix qui dit les choses telles qu'elles sont. Il en reste extrêmement marqué. Il découvre que tout ce qu'on lui a raconté jusque-là était des balivernes. Il n'y croit plus. Il vient à Paris en 1942, il a un petit boulot, il se marie, et là, alors qu'avant-guerre il lisait absolument pas Je suis partout, il se met à lire Je suis partout pour lire Robert Brasillach. Crise en septembre 1943 à Je suis partout, puisque Robert Brasillach estime que le sort des armes changeant, la politique de collaboration ne peut plus rester la même. On ne peut pas continuer comme en 40 ou en 42. Ses anciens amis le traitent de dégonflé, ce qui le blesse beaucoup. Et à ce moment-là, le jeune lecteur, qui est, disons, dire son vrai nom à l'époque, Wael Alot, lui écrit un petit peu naïvement pour lui dire que c'est lui qui a raison, que c'est lui le plus courageux, et que de nombreux lecteurs certainement le soutiennent. Brasillach est très touché de cette lettre, répond à son jeune lecteur, et tous les deux découvrent qu'ils sont voisins, puisque Brasillach vit rue Rateau, dans le 5e, et Wael Alot vit rue Mouffetard. Ils se rencontrent. François Brignaud se souvenait très bien, des années plus tard, de l'arrivée de Brasillach pour son premier dîner rue Mouffetard, avec une bouteille de Bourgueil glissée dans sa canadienne. Et c'est le début d'une très belle amitié. La belle-sœur de Wael Alot tient un magasin de volailles. Donc, par ce biais, Brasillach et sa famille peuvent avoir certaines victuailles. Le petit Wael Alot répare le vélo qui sert à Robert pour aller voir sa mère. Et puis, ils sillonnent Paris tous les deux. Ils visitent les turnes de l'école normale. Ici, Suzanne faisait le thé, ici les Picoef passaient, ici venait Thierry Monnier. Ils découvrent ensemble Paris, ils redécouvrent Paris, et Brasillach fait lire Maurras aussi au jeune Wael Alot qui n'a jamais lu Maurras. Bref, Wael Alot qui a toujours souffert d'être enfant unique, a enfin un grand frère. Arrive ce qu'il est convenu d'appeler la libération et l'épuration. Wael Alot propose à ce moment-là à Robert de partir à vélo pour l'Espagne. Il a préparé des étapes de 100-120 km, mais Robert ne veut pas quitter la France. Wael Alot lui-même s'est engagé à la milice le 6 juin 1944.
Et on lui propose en août de quitter la France. Il décide de ne pas quitter la France. Non pas sous l'influence directe de Brasillach, mais certainement influencé par des conversations qu'il a eues avec lui. Donc tous les deux restent en France. Comme vous le savez, Brasillach se livre pour libérer sa mère et son beau-frère qui ont été arrêtés à sa place. Et Ouel Alotte se planque dans une chambre d'hôtel près de la gare de l'Est en essayant de faire passer, de laisser passer du temps. Malheureusement, il rencontre une femme avec qui il a travaillé et qui connaît ses idées, qui les partageait, qui a dû avoir des ennuis, que l'on a dû menacer et qui s'en est tirée en disant « Mais moi, je vais vous donner des noms de collaborateurs intéressants que vous allez pouvoir arrêter, notamment le secrétaire de Brasillach. » Donc un soir, quand Ouel Alotte arrive dans sa chambre, il est arrêté par des sbires des milices patriotiques, communistes, qui l'arrêtent en tant que secrétaire de Brasillach. Et qui le mène dans une prison clandestine, rue François Miron, où il est torturé. Il frôle la mort, il pense qu'il va mourir. À ce moment-là, pourquoi, comment, les gens qui l'ont frappé et torturé appellent un médecin qui leur remonte les bretelles et décident de le conduire à Fresnes. Donc ils ont quelques mal à se débarrasser de lui. Mais il se retrouve à Fresnes, soulagé d'être dans une prison officielle. En octobre 1944, il y retrouve Robert Brasillach, qui lui-même vient d'être conduit à Fresnes. Donc à Fresnes, bien entendu, Brasillach est désolé de savoir que le petit Ouel est arrêté. Mais pour lui, c'est un réconfort aussi, puisqu'il retrouve quelqu'un pour qui il a de l'amitié, quelqu'un qui lui rappelle ses derniers mois de liberté. Donc là, je reviens un petit peu. Bon, pourquoi est-ce que je parle de Ouel Alotte ? Le vrai nom de François Brignot est Emmanuel Alotte, comme son père et comme s'appellera d'ailleurs un de ses fils. Et le diminutif breton de Emmanuel est Ouel, H-O-E-L. Et par une anglicisation qu'Éric va trouver malvenue, on l'appelle Ouel, donc W-E-2-L. Donc voilà pourquoi, dans les lettres de prison de Robert, vous trouvez mention du petit Ouel, W-E-2-L, plus d'une dizaine de fois. En effet, Ouel, Robert raconte que c'est une de ses relations de couloir. Je regrette bien de n'être pas avec Bérine, donc le frère de Maurice Bardèche, et le bon Ouel, donc dans la même cellule, que je rencontre souvent par bonheur. Les grandes relations de couloir sont Ouel et Benoît Méchain. Il signale que Ouel est passé maître dans l'art de rôder dans les couloirs. Il fait semblant de se tromper, d'aller un petit peu plus loin que prévu, et hop, il arrive à voir Robert. Et il lui arrive une aventure qui l'a marqué aussi. C'était donc avant la condamnation à mort, bien sûr, de Robert. Et on allait dans la file des colis, attendre les colis. Et là, on se faisait des relations quand même assez impressionnantes. On rencontrait des ministres, de grands journalistes, des écrivains, enfin, il y avait à ce moment-là des gens quand même très huppés qui occupaient Fresnes. Et dans la file des colis, Robert Brasillach a eu l'occasion de présenter le petit Ouel, notamment à Georges Suarez, donc, comme vous le savez, qui a été le premier écrivain fusillé à cette époque, et à Henri Béraud. Et Béraud est une des admirations du petit Ouel, qui a toujours lu Béraud avec
enthousiasme. Et Béraud a retenu le nom de Ouellalotte, qu'il a lu, et félicite Ouellalotte, et félicite Brasillach d'avoir poussé Ouellalotte à écrire. Donc, je vous resitue la chose. François Bruneau, donc Ouellalotte, a toujours rêvé d'écrire. À 12 ans, il a créé son premier journal qui s'appelait David, en souvenir de David Copperfield et en souvenir de David et Goliath. Il faut dire qu'il avait un défaut qui donc a été utile. Il était légèrement bègue. Il voulait raconter le monde et il a choisi de le faire par écrit. Antoine Blondin aura d'ailleurs le même défaut et la même réaction. Antoine Blondin disait que les bègues étaient ceux qui avaient sous la main le plus grand nombre de synonymes. Donc, quand François Brignot a parlé de son envie d'écrire à Robert Brasillach, Robert lui a dit « Mais tu devrais écrire simplement, familièrement, comme tu écris tes lettres, des histoires de quartier, tu devrais réussir des nouvelles à ta façon. » Une dizaine, et je me charge de trouver un éditeur. On commencera par les publier chez Combelle, à Révolution Nationale. Donc Révolution Nationale était un hebdomadaire créé par Jean Fontenoy, dirigé à l'époque par Lucien Combelle, et Ouellalotte a donné deux nouvelles qui seront les deux seuls écrits signés de son vrai nom, puisqu'après la guerre, il n'aura plus le droit. Il sera frappé d'indignité nationale, indignation nationale, comme vous savez. Il n'aura plus le droit de signer sous son nom. Ces deux nouvelles s'appellent Schtroumpf sanglant à l'amour. Elle est parue la première dans le 17 juin 1944. Et la deuxième, la pipe la plus tranquille de la journée, le 15 juillet 1944. Ça n'était pas le meilleur moment pour être découvert, pour que l'on puisse découvrir cet authentique écrivain prolétarien, comme disait Lucien Combelle, ce qui irritait au plus haut point François Brignot, qui savait qu'il n'était pas authentique prolétarien. Mais bon, n'empêche que ces deux nouvelles ont été lues et remarquées par Béraud, qui félicite donc le jeune auteur et qui félicite Brasillach d'avoir poussé ce jeune homme à écrire. François Brignot, Ouellalotte, est sur un petit nuage. Il rentre dans sa cellule, il ne sait comment, il a l'impression de voler. Il se dit que bah, peut-être que ça valait le coup d'être emprisonné pour vivre une aventure pareille. Donc, en prison, Robert Brasillach écrit, ça vous le savez, vous connaissez ses écrits. Et François Brignot, lui aussi, écrit sur des petits cahiers d'écoliers. C'est d'ailleurs pourquoi il a toujours été marqué par le format des cahiers. Quand il a voulu créer ses propres éditions, il est revenu à ce format des cahiers. J'ai feuilleté moi-même et j'ai lu les cahiers qu'il avait réussi à garder au cours de toutes ces années, que ses enfants ont retrouvés, avec des petites notes, des notes de lecture, des nouvelles, le début d'un roman qui paraîtra sous le nom de Paul Monopole, et bien sûr le récit de ses rencontres avec Robert Brasillach, qu'il essaie de voir le plus souvent possible. Et quand Robert est condamné à mort et qu'on n'a plus le droit du tout de correspondre avec lui, ils arrivent à se faire passer des billets dans des tubes de cachets d'aspirine. Il faut savoir que dans le testament d'un condamné, une strophe est dédiée au petit Well. C'est un très bel héritage que Robert a fait à son ami. Je vais vous la lire. Cher Well, notre sainte colline, le petit peuple du marché, la rue grouillante où l'on chemine, les charrettes des maraîchers, ils sont à toi, ami têtu, qui dans l'ombre toujours devine ce que l'espoir jamais battu malgré l'apparence dessine. Et Well recevra
une dernière lettre de Robert Loisillac après la mort de celui-ci, une lettre qu'il a publiée pour la première fois dans un de ses trois cahiers consacrés à Fresnes au temps de Robert Loisillac, et qui est datée du 28 janvier 1945. Voici une lettre que je fais un peu à l'avance et qui n'est pas pour autre chose que pour te redire toute mon amitié. Nous n'avons pas eu le loisir de nous connaître bien longtemps, depuis tout juste une année, mais nous avons pu nous connaître assez profondément. Je ne veux pas faire de littérature, mais tu sais que je suis très fière de t'avoir connue et de t'avoir inspiré de l'amitié. Je voudrais que l'avenir te garde, qu'il garde Dina et ce petit que vous allez avoir. Je n'ai pas de conseils à te donner, ni pour lui, ni pour toi. Je n'ai jamais voulu donner beaucoup de conseils à personne. Je sais tout ce que tu feras, je sais tout ce que tu es. Cher Well, il me semble que tu avais encore beaucoup de choses à m'apprendre. Je ne dis pas cela par fausse modestie, je le dis parce que c'est vrai. Et j'aurais pu sans doute t'en apprendre aussi. J'ai été heureux de te retrouver dans ces sombres murs où tu me ramenais mes derniers mois de liberté. Puisses-tu les quitter bientôt, je t'embrasse fraternellement, Robert. Grâce à Georges Prade, qui essayait d'avoir beaucoup de relations à Fresnes, François Brignoud a pu voir une dernière fois Robert Loisillac dans sa cellule de condamné à mort, alors que c'était totalement interdit, je vous le rappelle. Il a donné une réserve de cigarettes américaines à un des gardiens. Il est entré dans la cellule, il s'est jeté aux pieds de Robert en pleurant et en disant « ça n'est pas possible, ça n'est pas possible ». Robert raconte cette dernière entrevue. Il a lui-même été très surpris de voir entrer Well dans sa cellule. Et François a été frappé par la lumière du regard de Brasillac. J'ai retrouvé la même notation sous la plume de Benoît Méchain. Alors, François Brignoud a eu beaucoup de mal a évoqué Robert Loisillac. Il n'était jamais là, je crois, quand il y avait des cérémonies, etc. Parce qu'il ne pouvait pas. C'était quelque chose, il disait que c'était, ce souvenir était en lui dur et noir comme de la pierre. Donc il a vraiment eu du mal, même à écrire sur Robert. Je crois qu'un des premiers articles a été dans le bulletin des amis de Robert Loisillac de 65. Dans les cahiers. Et il dit qu'il a commencé à se mépriser le jour où il a compris qu'il ne buterait pas les gens qui avaient tué Robert. Mais il a eu aussi des. Il a évoqué le cheminement spirituel de Brasillac, notamment dans un très bel article paru dans Spectacle du Monde, à l'occasion de la réédition des poèmes de Fresnes en 85. Bourgine lui avait téléphoné pour lui demander cet article. Et Brignoud lui a dit « Mais vous m'avez demandé de ne jamais parler politique ». Donc Bourgine lui a dit « Mais non, allez-y, là c'est moi qui vous demande, faites cet article sur la réédition des poèmes de Fresnes ». Donc Brignoud lui a dit « On est bien d'accord, vous ne me censurez pas ». Oui, oui, donnez son article, qui a été censuré. Donc il n'a plus jamais donné l'article à Spectacle du Monde. Et on lit dans Après le temps de Robert Loisillac que lui qui ne savait pas prier, puisqu'il n'a pas été éduqué dans cet esprit, s'est jeté à genoux quand il a su que Robert était condamné et a prié. En tout cas, il a fait allusion chaque 6 février, dans tous les journaux où il a écrit, donc que ce soit Minute,
présent, bien sûr, ou National Hebdo, il y a eu un article, une allusion à chaque fois au fait que ce soir-là, le soir du 5 et la journée du 6, il décrochait. Quand il était chargé de la chronique télévisée, il disait je coupe mon poste, je relis les poèmes de Fresnes et je revis cette période de ma vie. Il a donné, je me souviens très bien, une causerie à l'Institut Saint-Pilice, à la demande de l'abbé Laurence, dans une salle qui était pleine de gens, et des jeunes, pas mal d'étudiants, et un public absolument silencieux, ému. Il a été extraordinaire. Il a parlé de Brasillach à la demande de Bernard Georges. Bernard Georges était là. Et j'ai retrouvé une dédicace qu'il a faite pour l'abbé Laurence quelque temps après. Il lui mettait « Pour l'abbé Laurence, qui m'a donné l'occasion simple et vraie, rare, de parler comme j'aime parler des tranchées cruelles de ma vie et de celles de la patrie. » J'ai retrouvé aussi un crapouillot d'octobre 58 où on était censé mettre les éléments biographiques les plus importants. Et il a signalé dans Événements, Guerre 39-40, Connaissance de Robert Brasillach, Internement à Fresnes 44-45, Acquittement en Cour de justice. Donc, cette amitié qui a été assez courte dans le temps a été extrêmement forte. Et les sentiments de Well, qui avait donc 10 ans de moins que Robert, étaient ceux d'un jeune frère pour un grand frère, mais il analyse cela en disant « J'éprouve pour Robert Brasillach un curieux mélange de sentiments, de l'admiration, du respect, de l'amitié, une sorte de fraternité d'armes de tous les instants, une exigence, celle de ne pas le décevoir. » Mais aussi, venu je ne sais d'où, d'une partie de mon tempérament que j'ignorais, un puissant besoin de le protéger. Si François Vrignot a été celui qu'il a été, c'est grâce à Robert. Non pas seulement parce qu'il l'a poussé à se lancer dans l'écriture, mais pour lui, ça a été une rencontre exceptionnelle. La rencontre d'un homme exceptionnel par l'esprit, par le caractère et par le cœur. La rencontre de quelqu'un qui était naturel et bon. Et la leçon que lui a donnée Robert, c'était de ne pas se renier. François Vrignot aurait pu faire une carrière beaucoup plus éblouissante que celle qu'il a faite, étant donné son talent. Il a quand même été pendant des années, grand reporter à Paris Presse, etc. Et il a renoncé à tout cela pour défendre ses idées, pour choisir Minute. Quand il a pu entrer dans un journal où il pouvait s'exprimer, il a choisi de le faire. Il ne s'est jamais renié et il n'a jamais mis ses idées sous le boisseau. Et dans mon après-guerre, j'ai relevé cette phrase, « Je ne le connaissais que depuis 18 mois, mais je lui dois ma mue la plus profonde, il parle de Robert évidemment, si je suis devenu depuis Julien Guernec puis François Vrignot, c'est que j'avais été le Well du marché. Toute ma vie, je me souviendrai de cette dernière minute dans la cellule et de cette affreuse impuissance à me sauver. » Alors permettez-moi maintenant d'évoquer Présent, le journal Présent qui a 35 ans, parce que Présent est né un soir où étaient réunis à Fanjeaux, donc chez Mère Anne-Marie Simoulin, Maurice Bardèche, François Vrignot, Jean Madiran et Romain Marie, donc Bernard Anthony. Il y a des soirs comme cela où quelque chose de particulier se passe, où l'amitié est presque palpable et le souvenir de Robert Brasillach réunissait ces quatre hommes. Et c'est ce soir-là qu'ils ont décidé de fonder un quotidien. Donc Présent doit beaucoup aussi à Robert Brasillach.
Et j'ai réécouté dernièrement les paroles qu'a prononcées François Brugnot à l'occasion du banquet des Mille, c'est-à-dire à peu près 3 ans après la création de Présence, sur une idée de lui. On a demandé, on a proposé à 1000 abonnés de venir déjeuner dans la grande salle de la Mutualité à Paris. Et ce déjeuner a eu lieu. Et François Brugnot a notamment prononcé cette très belle phrase. Il faut vivre avec. Il faut revivre le matin dans la cellule avec le froid et l'odeur des larmes sur la pierre. 41 années d'une vie où on a essayé de ne pas trop se souvenir sans réussir jamais à oublier. Cela aide. La politique, c'est aussi cela. Et pour moi, c'est surtout ça. Les voix, ça compte dans les urnes, mais dans la nuit, ça compte aussi. Surtout quand elles rappellent la colline et la nuit têtue. J'aime bien, avant l'aube et l'heure qui fut pour lui la dernière, monter dans nos étages de la rue d'Amboise et, en attendant la lumière du jour, travailler pour vous, avec vous, au retour du matin. Vous savez tous que François Brugnot est un polémiste. Un polémiste, c'est un combattant. Sa plume était une arme. Quel était son combat? C'était de défendre l'héritage qu'il avait reçu, de défendre la civilisation, la langue, le pays dont il avait hérité. Mais je pense que dans son héritage et dans ce qu'il voulait transmettre, un des éléments essentiels était le souvenir de Robert Brasillach. Et donc j'espère que cette causerie en sera ce soir un modeste prolongement.